El Diablo. Tiens, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Et en même temps, c'est peut-être logique, ça fait pas vraiment partie de notre foi. On aime à penser qu'il puisse y avoir comme une entité malveillante qui nous pousse à mal agir. Seulement, ça les amis, c'est des contes pour enfants. Les quatre seules fois où le diable est mentionné dans l'Ancien Testament, la Bible avant Jésus, c'est toujours dans des récits d'ordre mythologique. Et même quand Jésus expulse les démons de certaines personnes, c'est avant tout de ce qu'on considère aujourd'hui comme des maladies qu'il les guérit. Épilepsie, fièvre, maladie psy ou encore dépression, c'est de ça dont il est essentiellement question. En fait, l'histoire d'un ange déchu, c'est une légende véhiculée par la tradition qui nous vient d'écrits judéo-chrétiens qui n'ont pas été retenus dans la Bible, c'est ceux qu'on appelle les apocryphes, et dont se sont inspirés les auteurs du Coran pour parler de ce qu'on a appelé la chute d'Iblis. Maintenant, je dis pas que le diable n'existe pas. Diabolos, en grec, étymologiquement, ça veut dire ce qui divise. Et donc, plus qu'un personnage malveillant aux cornes pointues et à la queue fourchue qui nous inciterait à faire ceci ou cela sans qu'on en soit vraiment libre et qui nous ferait au fond du mal à nous et aux autres, c'est surtout cette potentialité que nous portons tous de succomber à un état d'esprit mauvais, de nous laisser tenter vers ce qui pourrait nous être préjudiciable, ce qui pourrait nous diviser intérieurement ou abîmer nos relations avec les autres. Regardez ce que je viens de recevoir! Certains pensent que les prêtres y sont ringards, qui s'habillent toujours pareil. Que nenni! Saviez-vous que même dans nos chemises spéciales curées, il y a des modes? Regardez celle que j'ai reçue. Déjà rien que celle-là. Tout en coton léger de marangelle avec motif petit carreau. Je suis fan. Bon, j'avoue, le nom de la marque, ça fait un peu coucou les cocos. Mais comment elle claque? Toutes made in Italy, certaines en soie, d'autres en coton, certaines avec des motifs jacquard, et d'autres avec des petits chevrons. Que ce soit pour aller célébrer la messe sur la plage ou faire un baptême dans le 16e, je suis au taquet. Parce que je suis ton père. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir mon camarade Jean-Noël Toubon. Bonsoir, merci Adrien. Auteur, éditeur, notamment, vidéaste aussi on pourrait rajouter. Alors ce soir chers amis, dans un premier temps je vais dire un mot rapide, enfin pas si rapide que ça d'ailleurs, de l'actualité spirituelle. Et dans un deuxième temps, eh bien, avec Jean-Noël nous ferons une plongée dans la France féodale que nous aimons tant. Voilà. Et c'est extrêmement ressourçant, je dois le dire. Alors, avant cela, comme vous le savez, alors je précise que Pierre Simon est ce soir avec nous à la technique, et merci à lui. Parce que s'il n'était pas là, on ne pourrait pas faire d'émission, hein, je t'ai quand même à le spécifier. Avant d'aborder les sujets de fond, comme vous le savez, je fais toute une série d'annonces pour agréger la qualité française. Alors, déjà, tout d'abord, n'hésitez pas à soutenir, si vous passez en Ile-de-France, nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e, métro Lamotte-Piquet Duplex. D'ailleurs, il y a une séance de dédicace samedi prochain d'un mec un peu bizarre, je crois, non ? Tout à fait, je crois même que c'est peut-être moi. C'est toi, hein, c'est moi, on est d'accord, c'est toi. À 14h30, n'hésitez pas, je vous attends nombreux, merci. Voilà, on va le marteler. Ouais. Et s'il suffisait de dire la chose une fois pour que ça soit retenu, mon Dieu, ça serait beau. Donc aussi, soutenez nos amis du collectif Saint-Humbert-Bellarmin, hein, que vous connaissez tous, hein, si vous cherchez un petit bouquin catholique et ou contre-révolutionnaire. Également, abonnez-vous, diffusez un maximum les vidéos des chaînes Amis. Alors, je vais vous recommander notamment aujourd'hui une chaîne d'Emmanuel la Catholique, qui est un extrait notamment d'une retraite du Père Jacques. Et la vidéo s'appelle « Bergoglio et le nouvel Hérode ». Et dans cette vidéo, le Père Jacques nous dit qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, d'œcuménisme avec les tradis. Les lefévristes ne sont pas des amis dans la foi. Ce sont parfois des amis politiques, puisque j'ai vu nombre d'entre eux, notamment contre le pass sanitaire, mais pour ce qui est de la foi, nous ne sommes pas dans le même camp. Voilà, donc le Père Jacques évoque ça dans sa vidéo, donc je vous invite à la voir, « Bergoglio et le nouvel Hérode ». Alors, charité bien ordonnée, comme on dit, hein, je fais un petit peu de pub pour la chaîne Défense de la Foi. La chaîne YouTube Défense de la Foi prend des extraits de mes émissions de Radio Athéna, qui sont généralement, pas tout le temps, mais globalement des extraits assez courts sur un thème précis. Et ainsi, on peut transmettre de façon assez pédagogique un message sur la défense de la foi, comme indique la chaîne YouTube. Voilà. Alors aussi, comment s'appelle, Pierre de Tirmont, la chaîne de musique ? Speculum Justiciae. Speculum Justiciae, voilà, donc n'hésitez pas. Je précise aussi qu'un nouveau site de grande qualité... parce que je ne sais plus si on a mis le lien la dernière fois, Pierre Thiermont, sur bibliothèquecatholique.com.
Non, tu m'avais dit qu'on le ferait, on l'a pas fait. Voilà, donc là, on l'aura. Ah si, je l'ai mis, trouvé, c'est bon. Oh, Pierrot de Sirmont est un vrai. Pierrot de Sirmont est un vrai. Donc, allez sur le site bibliothèque-catholique.com, c'est un nouveau Saint-Libert. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout dépouiller, chers amis. Vous y allez, vous dépouillez tout. Vous prenez tous les PDF, c'est pour vous former théologiquement. On est ici pour défendre la foi, pour un maximum aider le corps social à aller dans la bonne direction. Bah, ce site, vraiment, est fait pour ça aussi. Voilà, alors je précise que j'ai fait deux nouveaux débats avec Arnaud Dumouche, parce que Dumouche, contrairement aux Lefebvristes et aux Ecclésiadéistes, a le courage de débattre avec moi. Voilà. Les Ecclésiadéistes et les Lefebvristes, pour l'instant, c'est courage fuyant. Donc Dumouche a accepté de débattre avec moi, on a fait deux nouveaux débats. Les deux, je pense, sont intéressants. Le premier va être publié ce samedi. Et le prochain, alors j'ai pas la date précise pour le prochain, mais le prochain, ça sera sur l'abbé, enfin son Excellence Vigano. Et la question posée est la suivante : son Excellence Vigano est-il cédévacantiste ? Eh bien, Arnaud Dumouche et moi-même avons la même réponse à cette question : oui. Oui. Je vous laisserai, chers amis, en juger. Même si je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de doutes, puisque bon, son Excellence Vigano reprend. Des thèmes que seuls les Nanunakum utilisent, un vocabulaire que seuls les Nanunakum utilisent, enfin il a des positions que seuls les Nanunakum ont pris avant lui, etc., etc., etc. Bref. En tout cas, petit à petit, il semble qu'il aille dans cette direction. Donc prions pour lui et prions pour qu'il se fasse validement sacré. Voilà. Alors oui, aussi, le Père Jacques et le Frère Arnaud ont fait ensemble une très bonne émission. Vous la trouvez sur la chaîne YouTube du Père Jacques. Qui s'appelle Mont Carmel. Donc n'hésitez pas, chers amis, à y aller. C'est un bon moment catholique entre deux moines, entre deux religieux. Voilà, donc profitez-en. Voilà, alors aussi publicité pour nos artistes, hein, donc deux d'entre eux, hein, donc pour Quentin Leduc, donc le, alors qui pratique, je crois, quelque chose qui s'appelle le pointillisme, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, oui. Voilà, parce que Jean-Noël est un spécialiste d'art, notamment. Depuis très très longtemps. Notamment, hein, voilà. Et la pyrogravure pour Kaléana Major. Donc voilà, donc c'est en description, chers amis. Donc allez-y, ce sont des artistes catholiques. N'hésitez pas à les soutenir. Alors ensuite, comme vous le savez, je demande à ceux qui le peuvent d'aider certains projets catholiques. Voilà, donc dédicace aux clients qui appellent pendant les émissions. C'est un classique, c'est pas grave. C'est bon signe. C'est pas grave. Alors, je vais vous évoquer donc trois projets. Donc, la semaine dernière, on avait évoqué Notre-Dame Auxiliatrice en Bretagne, donc projet d'école, hein, donc référence toujours en description pour le site, etc. Aidez, si vous le pouvez, nos amis de l'Œuvre de l'Étoile. Donc, l'Œuvre de l'Étoile, c'est une communauté catholique dans le Gard, donc un centre de messe, une école, une communauté. Ils ont besoin d'aide en ce moment. Donc, si vous avez les coups des franches financièrement, eh bien, ma foi, chers amis, je vous invite à les aider. Voilà. Ensuite, donc, dernier projet. Donc, c'est un projet dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le projet d'établissement Saint-Joseph. En fait, c'est un projet d'école. Bon. Alors, le projet est prévu donc, dans la commune de Pierre. La commune de Pierre est à 50 minutes de Paris en train, c'est près de Rambouillet et de Chartres. Le projet devrait ouvrir donc au mois de septembre. Il va de la moyenne section à la maternelle. À la moyenne section de maternelle, pardon, ça fait longtemps que je suis donc, je connais en train plus de les, réfléchir. Je ne connais plus les termes techniques. Hein. Au CM2. Encore que, on a gardé une petite part d'enfance. Hein, voilà, gardé une petite part d'enfance. Mais donc, d'ici deux ans, le projet va se développer et il ira de la petite section jusqu'au collège. Voilà. Les enseignantes sont des enseignantes expérimentées qui ont donc plusieurs années d'expérience avec des jeunes élèves. Et la vie de l'école donc sera placée sous le patronage de Notre-Dame Auxiliatrice, de Saint-Joseph et de Saint-Jean Bosco. Le tout étant rythmé, je dirais, par la vie catholique, donc prière, Angélus, chant, dévotion à la Sainte Vierge et à Saint-Joseph. Concernant l'Angélus, je suis en train de lire Monsignor Gaume à ce sujet, c'est très intéressant, on en reparlera. Donc, ce projet a besoin, bien entendu, qu'on inscrive des élèves, donc si vous êtes de la région
et que vous cherchez une école catholique, ma foi, n'hésitez pas. Et aussi, on a besoin de donateurs. Donc, si vous pouvez donner un petit coup de pouce financier à ce projet, donc le projet d'établissement Saint-Joseph, n'hésitez pas. Donc, il y a des liens en description pour aider le projet d'établissement Saint-Joseph. Chers amis, je compte sur votre générosité. Je suis sûr que le bon Dieu vous le rendra. Voilà. Alors, j'espère ne rien avoir oublié. Donc, je répète que notre ami Jean-Noël fera une séance de dédicace ce samedi à la Librairie française. À partir de, chers amis, 14h30. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à aller voir Jean-Noël et à le soutenir. Parce qu'on a besoin de soutien. Hein. C'est voilà. vrai. On ne fait rien seul. Voilà. Vous savez, moi j'ai fait 10 ans de rugby et l'une des morales. Dans le foot, vous avez des gens comme Messi qui peuvent traverser la moitié du terrain tout seul et mettre un but. Au rugby, on avance un 15. On avance un 15, sinon on n'avance pas. Voilà. Donc, on a besoin de tout le monde et chacun a sa pierre à apporter d'une façon ou d'une autre. Alors, j'aimerais conclure, chers amis, sur un point sur l'émission que j'ai faite sur Mgr Lefebvre la semaine dernière. Vraiment, si vous nous découvrez, faites l'effort d'aller voir les vieilles émissions qu'on a faites qui sont de qualité. En plus, le printemps est une période propice aux bonnes émissions, puisque chaque année au printemps, on fait les meilleures émissions de la saison. Donc là, on a fait une bonne émission avec le frère Arnaud il y a près d'un mois de ça maintenant. On avait fait une émission sur l'homosexualité dans la secte conciliaire, sur la tentative de réhabilitation de l'homosexualité par la secte conciliaire. Et là, on a fait l'émission sur Mgr Lefebvre, qui, je crois, est une des plus importantes de l'année. Je tiens à vous apporter un élément factuel très important, un élément nouveau. Cet élément nouveau, je le tiens indirectement du père Rafali. Le père Rafali était un prêtre de position de Nonacum, qui était donc à l'œuvre de l'étoile, et qui avait de très bonnes relations avec Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre venait faire les confirmations à l'œuvre de l'étoile, etc. Eh bien, Mgr Lefebvre a confié au père Rafali qu'un jour, à Icône, après des ordinations, un des séminaristes qui venait de se faire ordonner va frapper à la porte du bureau de Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre le reçoit et le prêtre lui dit: je suis franc-maçon, je quitte la fraternité Saint-Pilice, je vais travailler à détruire l'église et il y a d'autres francs-maçons à Icône. J'articule le témoignage du père Rafali avec un souvenir d'un prêtre qui était à Icône dans les années 80, qui m'a confié que un jour, dans une conférence, Mgr Lefebvre s'étonnait d'avoir parmi ses mécènes des francs-maçons. Et il ne comprenait pas pourquoi. Bon, je pense qu'on a l'explication. Voilà. Je ne dis pas que tous les clercs de la fraternité sont des francs-maçons, c'est pas tout ce que je dis. Mais je crains qu'il y ait quelques brebis galeuses. Voilà, je voulais rajouter cet élément factuel. Et vraiment, chers amis, si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'émission qu'on a faite sur Mgr Lefebvre, et attardez-vous également sur la question qui concerne la falsification du catéchisme de Saint-Pilice par la fraternité Saint-Pilice, ce qui est un scandale absolu. Les conciliaires n'ont pas osé, à ma connaissance. Bon, voilà. Alors, je pense qu'on en a fini pour les annonces. J'ai été un peu long, mais chers amis, il faut faire vivre. Il faut faire vivre la qualité française, il faut faire vivre les Français enracinés, les Français catholiques, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se serre les coudes, car comme je vous l'ai dit, seul on n'arrive à rien. Voilà. Donc on a besoin de vous, et je compte sur vous pour aider tous ces projets. Alors, arrivons au premier sujet du soir, je vais essayer de ne pas être trop long. On va parler de notre cher Père Mathieu. Moi je suis un fan du Père Mathieu, voilà. je ne cache pas, je suis un fan du Père Mathieu. L'imposture conciliaire in novus ordo prospère notamment grâce au double discours de la secte. C'est-à-dire que la secte change de discours en fonction de l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle. Tantôt, elle opte pour un discours qui ménage des vérités catholiques quand elle a en face d'elle des conciliaires conservateurs de bonne volonté qui ont besoin d'être rassurés sur la catholicité de la secte. Tantôt, elle donne dans le modernisme, si possible, de tendance neuneux, lorsqu'elle s'adresse au grand public. Je vais donc illustrer ce mécanisme de double discours par l'articulation entre le père Mathieu et l'abbé Raffray, donc l'abbé Raffray qui est membre de l'Institut du Bon Pasteur, c'est-à-dire que c'est une communauté ecclésiadéi. Et je rappelle ici que les communautés ecclésiadéi ne font pas d'ordination valide.
Je répète, les communautés ecclésiales d'AI, à l'instar du reste de la secte conciliaire, n'ordonnent pas validement leurs clercs. Alors, comme vous avez pu le voir en vidéo, chers amis, le père Mathieu, dans une vidéo récente, nie ouvertement l'existence du démon en tant que créature. Or, l'existence du diable en tant que créature ne fait absolument aucun doute dans l'enseignement de l'Église. Je vous renvoie à la bulle de Paul III, Sublimus Deus. Je vous renvoie à une lettre de Léon Ier qui s'appelle Quam Laudabiliter, qui nous dit que Dieu a créé toutes choses, et parmi ces choses qu'il a créées, il y a le démon. Et je vous renvoie également à Divini Redemptoris de Pie XI, dans lequel l'intéressé nous dit « L'ancien tentateur n'a jamais cessé, donc le diable n'a jamais cessé, par ses promesses fallacieuses, de tromper le genre humain. » Donc Pie XI nous parle bien d'une créature. Le diable est une créature. Donc ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Mais ce n'est pas l'enseignement de la secte conciliaire. La preuve, c'est que le père Mathieu ne se fera pas sanctionner suite à cette énième hérésie qu'il professe. Ceci étant, il arrive qu'un clerc conciliaire se fasse reprendre par sa hiérarchie. C'est le cas notamment lorsqu'il tient un discours qui vise à ménager les vérités catholiques, voire à en défendre, mais que ce discours finit dans le grand public. C'est ce qui est arrivé très récemment au père Horowitz. Le père Horowitz ne partage pas du tout la position non nacum. Ceci étant, dans une vidéo, il a essayé de défendre des points de la morale catholique et il s'en est pris au féminisme. La vidéo a été faite, je crois, il y a plus d'un an. Relativement récemment, un militant homosexualiste sur Twitter tombe sur cette vidéo, qui est ancienne. Il la relaie pour s'en indigner. Suite à cela, un journal d'extrême gauche, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Croix, s'empare de cette vidéo et lui donne une nouvelle amplitude. La Croix, donc ce journal d'extrême gauche, fait un article en date du 13 juin et le diocèse conciliaire va faire savoir qu'il désavoue le père Horowitz. Père Horowitz qui est interdit de faire des vidéos par sa hiérarchie, alors que le père Mathieu, lui, en revanche, n'est pas interdit de faire ses vidéos comme on a pu les voir tout à l'heure. Alors, le discours du père Horowitz aurait pu ne pas être sanctionné par sa hiérarchie si ce discours était resté cantonné à un auditoire conciliaire conservateur qui a besoin d'être rassuré sur la catholicité de la secte. Mais à partir du moment où ce discours déborde sur le grand public, là, il y a sanction. Poursuivons avec le père Mathieu. Celui-ci, au mois de mai dernier, a fait une vidéo très décontractée, très détendue, puisqu'il est allongé dans la vidéo en jean et en survêt, n'est-ce pas ? Col romain sur le survêt, attention. Hein, attention. Ah, quand même. Non, quand même. Faut pas... Et dans cette vidéo, eh bien, le père Mathieu nous dit que le bon Dieu parle à tous les hommes à travers les fausses religions. Fausses religions qui, nous dit-il, ne sont plus condamnées depuis Vatican II. Suite à cette déclaration, l'abbé Raffray, donc, qui est un clerc ecclésiadéi, vous savez ce que je pense de l'ordination des clercs ecclésiadéi, enfin, c'est pas ce que je pense, c'est de la réalité d'ailleurs. L'abbé Raffray fait un tweet en date du 18 mai, dans lequel il dit ceci. Dieu ne parle en aucun cas à travers toutes les religions. Ce prêtre doit cesser de parler au nom de l'Église, surtout quand il nie le fondement de l'enseignement du Christ. J'ai été, je dois vous le dire, extrêmement choqué par ce tweet de l'abbé Raffray. Parce que ce tweet laisse entendre que les propos de l'abbé Mathieu, du père Mathieu, pardon, ne sont pas l'exact reflet de la religion conciliaire. Ce tweet nous dit, en quelque sorte, que le père Mathieu dénature, qu'il trahit la religion conciliaire. Eh bien, ceci est faux, et j'affirme que ce que dit le père Mathieu est la parfaite illustration de la religion conciliaire, à laquelle l'abbé Raffray adhère officiellement, avec toutes les communautés ecclésiadéies, puisque officiellement, ils n'ont pas rejeté
ils n'ont pas abjuré le magistère conciliaire, contrairement par exemple à son excellence Vigano. Je veux pour preuve du fait que le père Mathieu professe parfaitement la religion conciliaire, l'encyclique, entre guillemets, de Bergoglio, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, encyclique, donc officiellement magistère ordinaire de l'Église, donc officiellement infaillible en matière de foi et de mœurs. Dans Fratelli Tutti, que nous dit Bergoglio au point 277 ? Enseignement, entre guillemets, infaillible de Bergoglio. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions. La secte enseigne donc que Dieu agit à travers les fausses religions. Et donc oui, selon la secte, Dieu parle aux hommes à travers les fausses religions. Ce que nous dit l'abbé Raffray est donc faux. Le père Mathieu exprime à la perfection la religion conciliaire lorsqu'il dit que Dieu parle aux hommes à travers les fausses religions. Et d'ailleurs, Bergoglio n'invente rien, puisque déjà Wojtyla, Jean-Paul II, dans Renoptorominis en 78, au point 6, je crois, disait que la fermeté de croyance personnes qui adhèrent à des religions non chrétiennes est un effet du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, nous disait Wojtyla, passe par les faux cultes. Et d'ailleurs, ce cher Wojtyla ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque rappelez-vous qu'il nous dit ceci. Donc il nous dit ça dans le texte, dans sa pseudo-encyclique Tertio Millennio Adveniente. Le Christ est la réalisation de l'inspiration de toutes les religions du monde, et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. Donc Wojtyla nous dit que le Christ est l'aspiration des fausses religions, et qu'il est l'aboutissement unique et définitif des fausses religions. Donc monsieur l'abbé Raffray, lorsque vous dites que la religion conciliaire ne professe pas que Dieu s'adresse aux hommes à travers les faux cultes, soit vous vous trompez, soit vous trompez. Comprenez donc bien, chers amis, l'articulation entre le père Mathieu et l'abbé Raffray. Au grand public, avec qui la secte conciliaire est réconciliée, parce que contrairement à l'Église catholique, la secte conciliaire ne fait pas la guerre au monde, au grand public, on offre le père Mathieu et ses clones. Et aux conciliaires conservateurs qu'il faut rassurer sur la catholicité du nouveau sordo, on laisse s'exprimer l'abbé Raffray et plus largement les communautés ecclésiadées. Et c'est là qu'apparaît la dangerosité du rôle des communautés ecclésiadées, chers amis. Pourquoi ? C'est fort simple. Parce que quand on résume les choses, l'abbé Raffray, dans cette histoire, donc cherche à maquiller la réalité de la religion conciliaire. Il cherche à ce que le caractère hérétique de la religion conciliaire ne soit pas trop voyant. Et il le fait en matinant cette fausse religion d'un vernis pseudo-catholique, pseudo-conservateur. Il rend ainsi l'hérésie comestible aux âmes de bonne volonté qui n'auraient pas accepté cette hérésie si elle avait été exprimée, je dirais, trop clairement, sans trucage. Autrement dit, l'abbé Raffray et plus largement les communautés ecclésiadei font ingurgiter l'hérésie conciliaire à ceux qui l'auraient rejetée à l'état brut. Retenez deux principes. Le premier, c'est que plus le mal est visible, moins il est dangereux. Le deuxième, c'est que plus le mal se mélange au bien, plus il est dangereux, car plus il est trompeur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Léon XIII dans Satis Cognitum. Donc, un père Mathieu qui dit ouvertement les choses et qui exprime la religion conciliaire ouvertement, sans trucage, limpidement, qui va droit au but, est beaucoup moins dangereux qu'un abbé Raffray qui maintient dans la sphère conciliaire, donc hors de l'Église, des personnes de bonne volonté, convaincus du mal conciliaire, mais qui, trompés par les sophismes des communautés ecclésiadei, restent dans la secte. Bref, cher père Mathieu,
je vous soutiens. Et je vous demande de continuer à nous montrer le véritable visage de la religion conciliaire. Véritable visage que les communautés ecclésiadéies cherchent à dissimuler à leurs fidèles pour leur faire croire que la secte est encore l'Église catholique. Donc, cher Père Mathieu, je compte sur vous. Maintenant, avant de passer aux ouvrages de Jean-Noël, j'aimerais commenter très rapidement un document conciliaire très important, qui est la collecte nationale des synthèses locales sur le synode 2023 sur la synodalité. Ceci est la contribution française au synode sur la synodalité. En fait, c'est les remontées de terrain des diocèses conciliaires pour alimenter les débats du synode sur la synodalité. Synode qui promet. Alors, si je devais synthétiser le propos des fidèles conciliaires, je le synthétiserais comme ceci, en disant qu'ils souhaitent que leur secte ressemble encore plus à une secte protestante qu'elle ne lui ressemble aujourd'hui. Et là, on voit vraiment que les fidèles conciliaires n'ont absolument aucune idée, comme vous allez le voir, de ce qu'est l'Église catholique. Alors, première remarque. On me dit, au point 1, concernant la parole de Dieu, donc les Saintes Écritures. En méditant les textes, chaque participant expose sa vie et sa parole à la parole de Dieu. Alors, je suis sans doute un imbécile, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Voilà, bon, les conciliaires comprennent, hein. Bon, tant mieux pour eux. Mais plus loin, on nous dit donc que ces participants, donc, enfin, que chaque participant, peut entendre les appels que Dieu adresse à chacun et à l'Église. C'est du libre examen. C'est la promotion du libre examen. Voilà, alors, on demande à ce que des homélies soient faites par des laïcs, et particulièrement des femmes. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Ah oui, ah bah, alors, on demande à ce que soit abrogée la discipline sur le célibat des prêtres. Alors, c'est drôle parce que Grégoire XVI, on avait parlé de ceux qui veulent abolir la discipline sacrée du célibat des prêtres. Est-ce que je vais vous retrouver ça ? Oui. Comment qualifier Grégoire XVI ceux qui sont les ennemis du célibat ecclésiastique ? Il les qualifie, alors c'est dans le texte, c'est dans Miraevos, texte essentiel de Grégoire XVI, il les qualifie de ligue impure, qui s'agite et s'étend chaque jour, qui se grossit même par le mélange honteux de plusieurs transfuges de l'ordre clérical et des plus imprudents philosophes de notre siècle. Donc il semblerait qu'il y ait des fidèles conciliaires qui appartiennent à cette ligue impure, qui veulent abroger ce que Grégoire XVI appelle de mémoire, donc c'est bien ça, oui, un point sacré de discipline. Voilà. Donc les fidèles conciliaires demandent à ce qu'on abolisse, je le répète, le célibat des prêtres. Ensuite, ces fidèles conciliaires demandent à ce qu'on puisse ordonner les femmes diacres et qu'on puisse les ordonner prêtres. Donc là, on voit qu'on est toujours dans la protestantisation du clergé conciliaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit aussi ceci. Il y a des gens qui sont choqués par la manière dont les femmes sont traitées dans l'Église. Manière qui n'est pas ajustée à la mission de l'Église. Alors, soyons clairs. Moi, je sais que les femmes sont bien traitées dans l'Église catholique. Est-ce que les femmes sont maltraitées dans la secte conciliaire ? Je ne sais pas, je n'y suis pas. Mais bon, ça c'est votre histoire, mais ne dites pas que c'est l'Église qui traite mal les femmes. Ça c'est un blasphème. L'Église est pure et immaculée, elle ne commet aucun péché. Les pécheurs, c'est nous, l'Église est pure et immaculée. Alors ça aussi c'est formidable. Les fidèles conciliaires demandent l'installation de contre-pouvoirs dans les diocèses, de conseils composés de baptisés élus. Alors quand même, je rappelle, chers amis, que la constitution divine de l'Église prévoit que les clercs et les laïcs sont soumis à l'autorité. Ils sont soumis à la hiérarchie, sous peine de tomber dans le schisme, en déplaise à la fraternité Saint-Pédis. Donc, quand on veut établir un contre-pouvoir, c'est qu'on manifeste sa volonté de ne pas se soumettre à la hiérarchie. Donc on voit que les fidèles conciliaires n'ont aucune idée de ce qu'est la constitution divine de l'Église. Et on voit toujours cette volonté de protestantiser davantage leur secte. Ah oui, alors ça aussi, c'est formidable. Ça, c'est du très lourd, ça. Alors, on nous dit que résonne souvent la souffrance de ceux qui se sentent exclus des communautés et ou des sacrements, entre parenthèses, personnes homosexuelles, divorcées, remariées, etc. Et donc, souffrent aussi ceux qui sont témoins de telles exclusions. Alors là, on va rappeler les bases de la base, chers amis, quand même. Hein.
c'est que donc on nous dit il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont exclues des sacrements et d'autres qui souffrent parce qu'elles voient ces personnes exclues des sacrements. Alors je vous le dis, amis conciliaires qui m'écoutez, mais le fait que des personnes, pour des raisons objectives, je dirais, mais qui leur sont propres par rapport à leur vie, à leur morale, sont exclues des sacrements, c'est la base de la base de la base de la religion catholique. Quand on est en état de péché mortel, on ne peut pas communier. Ça, c'est la base de la base de la base de la base. Donc, l'homosexualité active est un péché mortel, donc les homosexuels actifs ne communient pas. La vie en concubinage est un péché mortel, donc les concubins ne communient pas. C'est tout. Et ça, c'est la base de la base de la base de la base. Et c'était comme ça pendant 2000 ans dans l'histoire de l'Église, sans qu'aucun fidèle catholique, conséquent j'entends par là, ne s'en émeuve. Eh bien, ce qui est la base de la foi catholique et la base de la morale catholique est un motif de souffrance pour les fidèles conciliaires. Donc c'est bien la preuve que ces gens-là n'ont pas la foi. Je ne m'en félicite pas et je prie pour leur conversion. Alors on nous dit aussi que les diocèses conciliaires ne remettent pas en cause la laïcité des institutions publiques. J'ai bien conscience que les fidèles conciliaires ne remettent pas en cause la séparation de l'Église et de l'État. Je tiens quand même à préciser que c'est l'enseignement de l'Église. L'Église condamne la séparation de l'Église et de l'État. Il y a des textes de Saint Pie X à ce sujet. Voilà, donc tout ce texte nous montre que les fidèles conciliaires, malheureusement, n'ont pas la foi catholique, qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'Église catholique, et qu'ils souhaitent que leur secte se protestantise toujours davantage. Voilà. Le synode sur la synodalité est extrêmement prometteur. On a l'impression que Bergoglio va essayer de faire légitimer par le bas ce qu'il n'a pas pu opposer par le haut lors du synode sur l'Amazonie. Nous verrons. Ils ont une vision tout à fait humaine de l'institution, c'est tout. Oui. Pour eux, c'est une institution comme une autre, c'est un gouvernement comme un autre. Pour eux, l'Église, c'est une œuvre sociale. C'est une association de la 1901, voilà. Quoi. C'est une œuvre sociale, et il faut que tout le monde s'étende la main pour que tout le monde soit heureux et pour que tout le monde s'aime. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a rien de divin. Donc, personne ne tend vers le mal, l'Église n'a pas d'ennemis, etc., etc., etc. Voilà, j'en ai fini sur ces sujets-là. Alors, un mot rapide sur les élections avant d'arriver en Jean-Noël, très très rapide. Que conclure des résultats des législatives? Point positif, Macron n'a pas une majorité absolue, donc le spectre de la dictature sanitaire s'éloigne, et le spectre de la réforme constitutionnelle aussi. Ceci dit, étant prudence, parce que si les Républicains s'élèvent à Macron, ils retrouvent une majorité absolue, et là, ils retrouvent une plus grande force de frappe. Le score de la fameuse NUPES n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'il permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de rendre le mal visible. Le mal révolutionnaire va être d'autant plus visible pour les Français. C'est une bonne chose. Le score du RN, on peut le prendre de deux façons. La première, c'est qu'on se dit qu'il y a quand même des Français qui n'ont pas voulu collaborer par leur vote et qu'ils ont manifesté cette volonté de non-collaboration. C'est une bonne chose. En revanche, je crains que ces 90 députés RN ne servent à torpiller les élections présidentielles de 2027, comme le RN a torpillé celles de 2017 et de 2022 par une critique molle. Voilà. Et le rôle du RN dans la 5e République, retenez ça, chers amis, c'est d'empêcher la radicalité de monter institutionnellement. La radicalité est montée à gauche. Les indigénistes sont au pouvoir dans la NUPES. En revanche, les catholiques et les contre-révolutionnaires ne sont pas au pouvoir au Rassemblement national, qui, comme vous le savez, est une association LGBT. Voilà. Et dernier point positif, c'est l'abstention qui a été très élevée. Ça prouve que les Français ne cautionnent pas les institutions. C'est pas moi qui vais pleurer à ce sujet. Et dernier point, chers amis, je suis en train de relire ce livre formidable de Johannes Dorman. J'ai parlé beaucoup du tome 1 dans mon ouvrage, justement, dans Les Apôtres du salut universel, dans mon chapitre sur Henri de Lubac. Là, le tome 2, c'est absolument exceptionnel. Alors soyons clairs, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est d'un niveau extrêmement élevé. Donc Johannes Dorman n'a jamais rompu avec la secte conciliaire, c'est un clerc conciliaire, c'est un universitaire conciliaire, mais de facto, il nous dit que Jean-Paul II crée une nouvelle église et une nouvelle religion. Voilà. Donc, et le tout avec une rigueur absolument implacable. Voilà. J'en ai fini et j'en arrive maintenant au camarade Jean-Noël. Alors Jean-Noël, tu es là pour nous parler de deux choses. Premièrement, ton projet de livre, et deuxièmement, tes rééditions dans le cadre de ta maison d'édition. Par quoi veux-tu commencer ?
On peut parler brièvement du prochain livre que Ou longuement. Non, parce que je ne vais pas tout déflorer maintenant, on va en garder un petit peu pour plus tard. Je viens de terminer mon deuxième ouvrage, après celui sur Saint-Louis. On va rester dans le XIIIe siècle parce que c'est un siècle que je trouve fascinant, à plusieurs titres. Déjà parce que c'est un grand siècle chrétien et toutes les meilleures choses qui sont arrivées à la France se sont passées pour beaucoup, en tout cas au XIIIe siècle. Et je vais traiter du sujet de la croisade contre les Albigeois, qu'on connaît plus facilement et pour cause, c'en est devenu une marque touristique, qui sont les cathares. Ça va être absolument passionnant, ça. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est un sujet qui est très peu traité, si ce n'est, dans tout ce que j'ai pu lire pour travailler le livre, si ce n'est par des historiens occitans. Donc bien évidemment, alors pas essentiellement, mais beaucoup, en tout cas beaucoup d'historiens occitans ont traité de ce sujet. C'est un sujet évidemment qui les concerne et qui les intéresse beaucoup. Et aussi, j'ai découvert en travaillant sur ce livre qu'il y avait un certain nombre de créateurs de contenu, comme on les appelle, sur YouTube, qui traitaient de ce sujet, mais avec une vision extrêmement ésotérique du sujet. Et c'est un thème qui est très... qui est éminemment traité aussi par l'extrême gauche. Donc c'est assez intriguant de prime abord, avant de s'intéresser vraiment à ce sujet. C'est un sujet terriblement d'actualité. Je l'ai découvert à mes dépens quand j'ai publié une vidéo sur ma chaîne d'histoire, Galia, notre histoire de France, qui traitait de façon très très générale et très succincte, très courte, sur le sujet des cathares. Et là, j'ai découvert qu'il y avait encore énormément de gens très impliqués, comme s'ils se sentaient investis d'une mission, c'est défendre le dôme cathare, quoi. Donc avec 800 ans de recul, je trouvais ça assez étrange, mais ils étaient très virulents, comme d'autres personnes peuvent être virulents sur un autre dôme une autre fois. Et c'était assez étrange de les voir aussi vifs. Et donc voilà. J'ai voulu comprendre pourquoi. Notamment. J'ai voulu comprendre pourquoi et j'ai voulu surtout savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. Et c'est un sujet qui s'est quand même déroulé sur quasiment deux siècles. Donc c'est quand même assez conséquent. Il a fallu découvrir le XIIe siècle, que je connais un petit peu moins, mais aussi le XIIIe. Ça s'est plus ou moins fini parce qu'il y a toujours eu des résidus qui ont duré jusqu'au début du XIVe siècle. Mais ça s'est terminé sous le règne de Saint-Louis. Donc c'est un règne que je connais bien. Et c'est toujours très intéressant de mêler un sujet que j'avais traité auparavant et de le découvrir sous un autre angle, par une autre porte, pour arriver finalement à la même chose qui était la défense viscérale de la foi des souverains de l'époque, oui, et aussi des clercs de l'époque. Alors ça rejoint ce que tu as évoqué au début d'émission, parce que quand on pense que le grand pape sur deux siècles, t'imagines bien qu'il y a eu plusieurs papes qui ont dû traiter de ce sujet, mais le grand pape de la croisade albigeoise, c'était Innocent III. Ah oui, c'est un des plus grands papes. Donc là, on est au sommet de ce que c'est quand même un pape digne de ce nom. Et ce pape a quand même traité au sein même de son pontificat, à la fois de la Terre Sainte, des Almohades sarrasins en Espagne, des cathares. Des supporters de Liverpool en Espagne à l'époque. Et des cathares, tout ça en même temps. Donc on avait une vision de la défense de la foi qui était tout autre que ce qu'on peut trouver sur TikTok. Oui. Et les clercs, et j'ai aussi voulu mettre en avant le travail considérable d'un saint de l'Église catholique qui était Saint-Dominique. Bah évidemment, oui. Saint-Bernard, un petit peu beaucoup moins avant, parce que l'hérésie cathare était beaucoup moins diffuse, en tout cas, au milieu du XIIe siècle, là où Saint-Bernard, à l'époque à laquelle Saint-Bernard a vécu. Mais Saint-Dominique a fait un travail considérable, donc j'ai aussi découvert le rôle de ce prélat catholique qui était juste dingue. Donc un mélange d'un pape vif, vigoureux et d'un souverain un peu moins, mais pour X raisons, on en reparlera je pense quand il sortira, mais sur l'implication de Philippe Auguste, le roi de France, qui avait d'autres chats fouettés à cette époque, et puis des prélats, des évêques qui étaient en procession dans le Midi pour aller défendre la foi. Enfin, c'est pour ça que ce siècle me fascine, c'est que ça fait tellement contraste avec ce que nous vivons que, comme tu disais en début d'émission, c'est revigorant de se plonger dans un tel siècle. Moi, j'ai extrêmement hâte de lire ce livre. Vraiment, c'est un sujet que j'aurais beaucoup aimé traiter si j'avais le temps de le faire. Vraiment, Je pense que, contrairement à ce que tu aurais pu écrire, j'y traite plus de l'angle militaire croisade, parce que ça a pris 20 ans, croisade. C'est un moyen d'extermination de l'hérésie. En second temps, puisque le premier moyen était la prédication. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein.
Mais quand l'un ne fonctionne pas, on passe, voilà, on passe à la seconde. Donc ça, c'est un travail que j'ai mené depuis un an maintenant. Bah, félicitations. Et c'est un travail de célébrité publique. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être porté à la... Et alors, le livre d'après, ce sera sur les croisades, ça sera sur... Je sais déjà. Ah. Ouais, ouais, alors c'est sur quoi donc, Pierre Destirmont, vous avez envie de savoir le sujet de... Ah. Non, mais si je veux pas le dire, je ne te tords pas le poignet. On va rester au XIIIe siècle parce que je pense que je vais rester toute ma vie dans ce siècle. Tellement à dire, et formidable. Surtout que c'est un, comme il est éminemment chrétien, c'est un sujet qu'on ne verra jamais dans le cinéma parce qu'on est contraint de parler. Attends, on va peut-être prendre le pouvoir un jour, cher ami. Pour l'instant, il y a peu de chances que nous le voyons au cinéma. Parce pas demain matin. On est contraint de parler de la foi quand on parle du médiéval central classique. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets qu'il faut traiter. Alors du coup, par le biais du livre, c'est peut-être moins grand public qu'un film. Mais en tout cas, le travail... On entretient la flamme. La flamme. Et ça reste dans le temps. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui m'a grandement occupé. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Il y a eu le Covid qui a participé aussi à faire que j'avais un peu plus de temps. Certes. Et en début d'année, j'ai sorti deux livres qui me tiennent énormément à cœur. Un livre qui s'appelle « Féodalité et chevalerie » de Brentano. J'avais déjà sorti un premier livre de cet auteur du début du XXe qui s'appelle « Ce qu'était un roi de France ». Et cet auteur a énormément de livres que j'aimerais republier. Alors cet auteur est génial, chers amis. Je vous le dis franchement, parce que ça se lit vraiment très bien. Extrêmement c'est facilement. Très c'est super bien écrit. On a l'impression de lire un roman. Moi j'ai lu « Ce qu'était un roi de France ». J'ai un peu feuilleté aussi son bouquin sur Ancien Régime. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. C'est vrai. Mais vas-y, poursuis donc. Donc, ces deux livres sont sortis en même temps. Donc, Féodalité et chevalerie, comme je vous le disais. Et ce tout petit livre de 50 pages. C'est rare d'avoir un livre si peu dense. Qui s'appelle Jean de Montmirail. Enfin, attends, si peu volumineux, parce qu'il est dense. Il est dense, exactement. Jean de Montmirail, le bienheureux, alors les cinéphiles reconnaîtront peut-être une allusion à un personnage d'un film... on va tester Pierre Tirmont, là. De Montmirail. Les visiteurs. Monsieur Pierre Tirmont est un vrai, je le répète. J'ai cherché, parce que d'un point de vue marketing, ça aurait été extraordinaire, mais j'ai pas trouvé de lien de cause à effet entre les deux. Ah, moi, je pensais qu'il n'est pas de la famille de Godefroy, alors. Il est pas de... Peut-être que les scénaristes se sont inspirés de sa vie, mais comme c'est une vie très, très peu connue, finalement, c'est un ami que je salue, Camille. Je dois avouer que je le connaissais pas. Ouais. C'est un ami, Camille, qui m'a dit... Amis encore. Ouais, j'en ai encore très peu. Qui m'a dit lis ce livre, il est juste incroyable. Je l'ai lu, il était incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux livres sont très liés. Le premier, vous avez la théorisation de ce qu'était la vie médiévale, quelle était la société, comment elle était organisée, quel était le rôle d'un seigneur, quel était le rôle d'un comte, quelle était la vie d'un jeune seigneur, de son enfant jusqu'à sa mort, la vie d'une dame médiévale, d'un château médiéval. Vous avez vraiment la théorie de tout ce qui était la féodalité à la chute de l'empire de Charlemagne, puisque ça a commencé grosso modo dès lors que ses petits-fils ont dû se partager l'immense territoire de Charlemagne. Et ça s'est terminé grosso modo au XIVe siècle. Donc vous avez vraiment un panorama de trois siècles, quelques siècles, de cette vie extrêmement bien organisée. C'est ça qu'on remarque assez facilement, bien organisé et fondé sur une colonne vertébrale qui dirige tout le Moyen-Âge, qui était la foi catholique. On va revenir plus en détail, et celui-ci, c'est l'exemple concret de la théorie du livre de Brentano, puisque c'est la vie de ce Jean de Montmirail qui est une synthèse à lui tout seul de ce qu'était qu'un homme du Moyen-Âge. Il est né au XIIe siècle, un contemporain de Philippe Auguste, il est né sous le règne de Louis VII, le père de Philippe Auguste. Il est né le même jour que Philippe Auguste, donc ça a noué une amitié puisqu'il était un seigneur de Champagne. On va tester Pierre Tirmont. Quel était le deuxième prénom de Philippe Auguste? Je ne sais pas. C'est le prénom d'un célèbre comique, voilà, j'en dis pas plus. Voilà qui a été blacklisté à une époque. C'est cas de le dire, ouais. Et donc, il avait forcément ses entrées, puisque c'était une très belle famille de Champagne, ses entrées à la cour de Louis VII, et il a noué une amitié sincère et profonde avec Philippe Auguste, qui par la suite, comme vous le savez tous, est devenu roi de France, et donc il a bataillé du milieu du XIIe jusqu'au début du XIIIe, dans les principales batailles avec son ami Philippe Auguste, qui va le faire connétable pour ses bons et loyaux services. Alors il est parti en Terre Sainte avec lui. Il a sauvé la vie du roi Philippe Auguste à Gisors contre Richard Cœur de Lion.
pour le récompenser d'avoir sauvé le roi, et c'est là qu'il en a fait un connétable. Donc il était vraiment un seigneur puissant à la cour du roi de France. Puissant, respecté, prestigieux. Exactement, qui a montré aussi des faits d'armes notoires. Il a été récompensé pour ça, comme je viens de le dire. Et au tout début du XIIIe, dans les années 1200, alors il faut quand même préciser qu'il est issu d'une famille extrêmement pieuse et chrétienne, mais je ne le dis pas, c'est évident à cette époque. Oui, c'est l'époque aussi. Hein. C'est sa mère qui l'a éduqué dans la religion catholique. Donc dès son enfance, c'est vraiment très proche de l'enfance de Saint-Louis. Dès son enfance, sa mère l'a éduqué à venir en aide aux indigents, aider les plus démunis, et aider les institutions religieuses, etc., etc., etc. Donc il avait forcément cette habitude dès l'enfance d'avoir une vie catholique, mais ça reste un homme, et il était à la cour royale, et forcément il participait au faste du royaume de France, c'est inévitable. Sauf qu'à un moment donné, avançant en âge, et aussi quand il était sur cette terre de Champagne, entouré d'ecclésiastiques, comme c'était souvent le cas au Moyen-Âge, il a décidé de renoncer à la vie du monde et de rejeter tout ce qu'il a pu vivre de fastueux, de très terrestre, finalement, à la cour du roi. Et il est parti quelque temps en ermitage dans la forêt de Beaumont, pour finir par entrer dans les ordres. Donc là, on a vraiment une synthèse de l'homme Moyen-Âge qui est valeureux, qui part au combat, qui n'a pas peur du danger, qui sauve la veuve et l'orphelin, qui est fidèle à son roi, qui est fidèle à son Dieu. En définitive, il s'aperçoit que l'essentiel et le plus important dans la vie d'un homme n'est pas les vaines gloires de ce monde, comme il le dit dans le livre, finalement. C'est de sauver son âme, chose qui, dans la première partie de sa vie, semble-t-il, n'était pas le cas. Et donc, dans la seconde, la deuxième partie de sa vie, jusqu'en 1217, année à laquelle il est mort, il va passer son temps à être édifiant sur sa terre de Champagne. Il n'ira évidemment plus à la cour de France. Et donc tout son entourage familial, mais comme c'est un puissant seigneur, il a un certain nombre de vassaux, il va devenir exemplaire. Il va aider énormément les institutions religieuses comme il en a appris par sa mère. Il va aider les plus démunis, c'est vraiment à l'image de Saint-Louis. On est vraiment sur ce type d'homme. Et c'est ça qui est essentiel. Et comme ça fait 50 pages, j'aime dire que toutes les mères de famille ayant un fils, 50 pages, ça se lit bien. Et vous avez là un exemple à donner à vos jeunes fils sur ce que c'est qu'un homme catholique, valeureux et vertueux, en définitive, à la fin de sa vie. Et je tiens à dire que dans ces ouvrages, il y a vraiment le parfum de la France que nous aimons. C'est pour ça que j'ai appelé cette émission « Plongée dans la France médiévale ». Je ressens vraiment la même chose quand je lis ces ouvrages. Ça nous fait physiquement du bien. On se replonge dans cette France que l'on aime et avec laquelle il faut renouer, en tout cas sur le plan de l'esprit, j'entends. Hein. Là, c'est ça. Et ça, c'est un ouvrage, ce sont des ouvrages fondamentaux et qui font du bien. Donc on joint l'utile à l'agréable, je tiens à le dire. Et on peut visiter son gisant encore aujourd'hui à l'abbaye de Longpont, d'accord, qui est en région parisienne. Et donc il a été fait bien heureux en 1250. En région parisienne. Elle a changé depuis, malheureusement. Hein. Je pense que s'il revenait... Il se dit, ah, tiens, c'est marrant. Parce il sortirait peut-être le glaive. Il se dit, ah bah tiens, je suis revenu en Terre Sainte. Ah, oui, voilà, ah c'est ça. Non, en fait, non, pas tout à fait. Elle est beaucoup moins loin que je l'imagine, la Terre Sainte. Ouais, ouais. Mais oui, donc... Tous ces Anglais, c'est effrayant. Il a été fait bien heureux en 1254, donc nous étions sous Innocent IV. Donc voilà ce petit livre, 50 pages, je le répète, tout à fait accessible. Jean de Montmirail. Jean de Montmirail, déjà le nom sonne extrêmement bien. Ah bah bien. Ça respire la France. On a envie d'être Jean de Montmirail. Ça respire la France. Ça respire la France. Et donc, comme je précisais... On a envie d'être Godefroy aussi. Hein. C'est vrai. Godefroy, hein. C'est vrai que dans le film, il est assez valeureux. Hein. Bah oui, tout à fait. Il est plutôt... Donc le Brentano, féodalité et chevalerie, donc c'est important de connaître aussi comment est née la chevalerie. Oui. Parce que la chevalerie, finalement, les chevaliers étaient quasiment, c'était quasiment un sacerdoce. L'engagement qu'ils prenaient entre suzerains, vassaux, etc. Donc, comme je le précisais pour cet ouvrage, à la mort de Charlemagne, ses petits-fils partagent l'immense empire de Charlemagne. Et à partir du capitulaire, de Quercy en 877, au 9e siècle, Charles Chauve, un des trois petits-fils de Charlemagne, va accepter que les comtes... C'est fondamental, ça, chers amis. Ça, c'est fondamental, effectivement. Va accepter que les comtes, qui étaient des officiers royaux, qui avaient la charge, par le souverain, d'administrer l'immense territoire.
Donc c'était des, on appellerait ça aujourd'hui des fonctionnaires. Ouais. Et donc Charles Chauve veut partir au combat et donc il mobilise ses comtes pour venir combattre avec lui. Sauf que ces comtes-là avaient la mission, on leur a donné la mission et la charge d'administrer ces territoires et ils avaient peur, puisqu'il faut pas, faut le rappeler que nous sommes à une époque d'invasions successives au nord, au sud, à l'est. Tout à fait. Les hommes du nord qu'on appellera des Vikings, les Sarrasins au sud et les Hongrois et les Huns à l'est. Ça venait de partout et le pouvoir central n'existait plus. Alors, c'était pas les Huns à l'époque, c'était les... C'était plus tard les Huns, mais effectivement. C'était plus tôt. C'était quoi les populations avec les Hongrois là ? C'était pas les Avars, non ? C'est pas ça ? Les Avars, ou c'était où c'est avant ça, je sais plus. Bref. Et donc ça venait de partout et le pouvoir central était complètement désagrégé. Donc il a concédé Charles Chauve le fait que ces comtes-là n'allaient plus être des fonctionnaires entre guillemets, mais allaient pouvoir transmettre leurs charges à leur descendance. Ils allaient devenir des petits souverains sur le territoire. Oui, tout à fait. Ça, c'est fondamental. Le royaume des Francs va être un essaimage de petites suzerainetés sur le territoire de France, avec à sa tête un seigneur qui va avoir à charge d'administrer les terres, mais aussi les hommes qui travaillent sur ces terres. Donc, un petit arrêt sur image, c'est comme si demain, les préfets privatisaient leurs fonctions et les transmettaient à leurs enfants et qu'ils ne rendaient plus compte au président de la République. Voilà. C'est exactement ça. Poursuis donc, cher ami. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce suzerain va devenir le chef de son territoire, va vivre autour de ce seigneur, toute sa famille proche, et aussi, au fil du temps, sa famille élargie, qu'on va appeler la Mesnie. La Mesnie, c'est la famille élargie du seigneur. Donc, au début, c'est une motte castrale. C'est un château en bois, donc il ne paye pas de mine, et au fil des temps, ça va devenir un château en pierre beaucoup plus conséquent. Et une vraie cité, une vraie société va émerger autour de ce seigneur qui va être le chef. Et le chef des chefs, c'est pour ça que je crois que c'est Monseigneur Gaume dans l'esprit familial, dit que la France est une succession de familles. Et le roi de France est le chef de toutes les familles de France. Et ça naît à cette époque-là. Donc cette Mesnie, c'est la famille élargie du seigneur. À l'intérieur de cette cité, de cette société, il va y avoir des paysans qui vont travailler pour le seigneur, mais des paysans aussi libres, assez tôt d'ailleurs, contrairement à ce qu'on imagine. Il va y avoir des artisans. Il va y avoir toute une société qui va vivre. Et à partir de ce moment-là également, il va y avoir des relations qui vont se nouer entre différents seigneurs qui, il faut le dire, à cette époque-là, se font assez facilement la guerre pour des questions de territoire. Donc une relation va émerger, une relation qu'on appelle féodo-vassalique, entre un suzerain et un vassal. Le suzerain au top de la pyramide, c'est le roi de France, et le suzerain des suzerains au Moyen-Âge, c'est le pape. Ça, faut pas l'oublier. Et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage, c'est-à-dire que c'est une cérémonie qui faire en sorte que le plus petit seigneur va rendre hommage au plus puissant seigneur. Donc c'est très codifié, cette cérémonie de l'hommage. Et tout ça, vous avez vraiment le détail dans le livre, comment ça se passe. C'est vraiment passionnant de voir que tout est codifié. Vous avez le plus petit seigneur, le vassal, qui se met à genoux, les mains jointes entre les mains du suzerain. Il le jure sur les évangiles ou sur la croix. Et il va y avoir, à l'issue de cette cérémonie, un échange de bons et loyaux services entre les deux. Le suzerain va devoir venir en aide au vassal quand il sera en danger, menacé, et réciproquement. Il y aura aussi le devoir de conseil, c'est-à-dire que le vassal devra aller à la cour de son suzerain et pouvoir prendre des décisions collégiales avec ses vassaux. Donc tous ces gens-là sont finalement très autonomes. Le roi des Francs à cette époque est lui aussi très autonome et son domaine est finalement parfois infiniment moins puissant que bon nombre de comtes et de ducs du royaume des Francs. Et à l'issue de cette cérémonie de l'hommage, le suzerain va donner un fief à son vassal. Il va offrir un fief. Très souvent, c'était une terre, mais ça, c'est arrivé aussi que ce soit de l'argent ou une charge publique. Mais 99% du temps, c'était quand même une terre qu'il devait administrer. Donc c'est de là que vient le mot félon. Dès lors que le vassal ne respecte pas son engagement, il devient un félon. C'est la même racine que le fief qui lui est offert. D'accord, je ne savais pas. Et donc toute cette société, jusqu'au XIVe siècle, va vivre de façon extrêmement homogène. Moi, c'est ça qui me fascinait d'ailleurs que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est l'homogénéité, la structure, tout est presque naturel dans les échanges entre les hommes. Vous découvrirez également la vie du chevalier, qui commence
serait souvent en tant que page à l'âge de 10-12 ans. Donc, c'est-à-dire que le vassal va envoyer son fils en apprenti, on dirait aujourd'hui, à la cour de son suzerain, le seigneur plus puissant. Et il va passer un certain temps avant de devenir vers 15-20 ans un écuyer, donc il aura une responsabilité plus importante. Et vers 21 ans, ou à 21 ans, bon, il y a eu des dérogations, mais en général, c'est l'âge adulte du jeune chevalier, c'est 21 ans, ça a été le cas pendant très longtemps, la majorité à 21 ans, il va être fait chevalier, donc vous avez toute la description de ce que c'est que la cérémonie de l'adoubement, c'est extrêmement codifié, ça a évolué avec le temps. Il passe la nuit en ce chevalier passe la nuit en prière, vêtu d'une tunique blanche. J'ai pas la confirmation, mais il me semble que l'origine de l'expression passer une nuit blanche vient de la cérémonie, puisqu'il est vêtu de blanc et qu'il passe la nuit blanche à prier. Et c'est à partir de ce moment là où il est investi en tant que chevalier. Vous allez aussi découvrir la vie d'une dame, la vie d'un baron, la vie au château. C'est vraiment passionnant et comme tu le disais, ça se lit très très bien. Donc les deux sont extrêmement complémentaires, c'est pour ça que je les ai sortis en début d'année de façon simultanée. Alors, moi il y a un roi que j'aime beaucoup, c'est Louis VI. Pierre de Tirmont, savez-vous quel était le nom de Louis VI ? Il a deux surnoms. Ouais, je me suis trahi moi-même là. Il y a le deuxième surnom ? Je sais pas. Le batailleur. Alors, pourquoi le batailleur ? Eh ben, je vais vous le dire, parce que, comme l'a dit Jean-Noël, le domaine royal, à cette époque-là, est extrêmement restreint. Il est dans l'île de France, et il est... Jusqu'à Orléans, quoi, gros. Voilà, et il est menacé par des seigneurs, d'une part, il est menacé par des seigneurs féodaux qui ont des fiefs plus grands, et d'autre part, il est miné de l'intérieur par des féodalités qui émergent comme des champignons, indépendamment, parfois, de l'autorité, donc du suzerain théorique des lieux. Et il y a une... Moi, quand j'ai découvert ça... Ça m'a fait penser aux banlieues, tu vois. C'est pas faux. C'est-à-dire que à l'époque, quand je lui dis ça, je dis mais ils sont trop nuls. Ils ont laissé des petites souverainetés émerger comme ça. Ils n'ont pas réussi à faire respecter l'autorité publique. Ah, peut-être qu'ils sont pas si nuls que ça parce que nous, bref. Et donc Louis VI le Gros va batailler contre la féodalité. D'ailleurs, les rois vont tous batailler contre la féodalité. Hein. Et il va essayer, il va désosser, faut le dire les choses, l'équivalent des racailles d'Île-de-France. En fait, il va faire ce que la République aujourd'hui ne fait pas. Tout à fait. La République aujourd'hui n'attaque pas les barons de la drogue dans l'économie parallèle. Louis VI le Gros, lui, s'est attaqué aux racailles, aux barons des racailles de l'époque. Bon. Alors, si je ne me trompe pas, petit extrait. Donc Louis VI le Gros donc, était un roi extrêmement batailleur, qui allait sur le front, vraiment, c'était pas un planqué. Et je crois que c'est Louis VI le Gros qui, lors d'une guerre contre les Anglois, a proposé que plutôt que les armées se battent, il a proposé un duel à Henri Ier, je crois, d'Angleterre. Il dit, voilà, donc on se bat tous les deux, comme ça, ça évitera que nos soldats s'entretuent. Et je crois qu'il a refusé Henri Ier, non ? J'ai pas l'anecdote, je l'ai pas en tête. Voilà, bon, il me semble, on vérifiera ça. C'est tout à fait possible pour l'époque. Alors, petite citation. Donc là, on décrit Louis VI le Gros qui, avec son armée, attaque donc un féodal. Hein. Donc, à l'attaque des hautes mottes de pierre, Louis VI se distinguait à l'égal du plus hardi des soldats. Au siège du donjon occupé par Dreux, comte de Mouchy-le-Châtel, c'était pas le même nom de famille qu'aujourd'hui, il était parvenu à attirer le bellique baron et ses hommes en dehors des enceintes. Alors, se retournant d'une brusque volte-face, il entraîne les siens et, frappant d'estoc et de taille, bousculant, repoussant les assiégés, il pénètre à leur suite dans les cours intérieures. Le château brûle. Mais lui, sous des nappes de flammes, poursuit son attaque, où triomphe sa force et sa taille de géant. Le voilà ruisselant de sueur au milieu du feu qui l'entoure, en l'ardeur qui l'anime, pris en un violent courant d'air, d'où un enrouement qui mettra longtemps à guérir. Tout ça me rappelle un peu Gérald Darmanin, tu vois. Ouais, dans l'esprit, c'est à peu près ça. C'est à peu près le même genre de mec, quoi, tu vois. Est-ce que je peux me permettre de lire ? Ah, mais permets-toi, on est là pour ça. Le code de la chevalerie, que tu connais par cœur. Ouais, j'ai un peu oublié. Là, vous avez le code de la chevalerie, c'est-à-dire que le chevalier devait s'engager à respecter les dimensions que je vais exprimer à l'instant. Vous allez voir que c'est... vous allez comprendre précisément quelle était la fonction d'un chevalier dans cette société. Premier commandement. Tu croiras tout ce qu'enseigne l'Église et observeras ses commandements. Ça commence bien. Là, on est sur du premier commandement. Ouais. Hein, c'est pas 10B. Deux, tu protégeras l'Église.
On reste sur les fondamentaux. 3, tu auras le respect de toutes les faiblesses. Alors, il est précisé, le mot n'est pas pris dans le sens de faute. Hein, et t'en constituera le défenseur. Tu aimeras le pays où tu es né. Tu ne reculeras pas devant l'ennemi. Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve. Là, on n'est pas dans le vivre ensemble, dans voilà, une tolérance tout à fait bien comprise. Stade de France. Voilà. Exactement. Tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu. Tu ne mentiras pas et seras fidèle à la parole donnée. Tu seras libéral et feras largesse à tous. Tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. On comprend facilement, en lisant ces 10 commandements, comment cette société a pu être aussi fleurissante pendant des siècles. C'est la civilisation, c'est la base. C'est la civilisation la plus pure de l'histoire. C'est la base de plusieurs siècles de société médiévale, et c'est normal que ça a été aussi dingue d'un point de vue architectural, d'un point de vue moral, d'un point de vue conquête, etc. Parce que vous avez là... Alors, il y a quand même des symboles d'obscurantisme qui datent de cette époque. Je pense à Notre-Dame de Paris, par exemple, qui est un symbole d'obscurantisme médiéval. Quoi. Exactement. Voilà. J'aimerais également lire un passage de la vie de Jean de Montmirail qui symbolise... Non, c'est pas long. C'est une page. Donc voilà. Allons-y, on t'écoute. Donc là, on est dans la deuxième partie de sa vie, à savoir, il se fait religieux. Il n'est plus le chevalier parti en croisade. Un jour, il rencontre dans une rue de Montmirail, donc il, c'est Jean de Montmirail, un voyageur d'un aspect repoussant, couvert de plaies qui exhale une odeur fétide. Il l'aborde, cherche à le soulager et lui dit « Que n'allez-vous à la maison de Dieu pour vous y reposer ?» La maison de Dieu, c'est les hôtels Dieu, là où on soignait les pauvres. Il lui répond « Je ne peux plus marcher. Eh bien, je vous y porterai. » Et en prononçant ces mots, il le charge sur ses épaules, se dirige vers l'hôpital, le dépose dans un bon lit, après avoir lavé ses pieds, ses jambes, et comme son cœur se soulève par l'odeur, il gourmande ce cœur, il se met à parler à son propre cœur. « Misérable et orgueilleux, lui dit-il, je vais te donner le droit de te plaindre. » En même temps, il prend le vase, l'approche de ses lèvres et boit avec une courageuse avidité l'eau dont il s'était servi pour laver les ulcères du voyageur. C'est pas fini. Il y avait à l'hôtel Dieu une vieille femme dont les plaies étaient si infectes que ses voisines n'avaient pu supporter sa présence dans la salle commune. On avait été obligé de lui donner une chambre à part. Le bienheureux Jean, décidé à soigner de préférence les infirmes dont le traitement inspirait le plus de répugnance, demande à voir cette pauvre malade. Il pénètre dans sa cellule, il s'apprête à lui faire le pansement nécessaire, mais il éprouve un tel dégoût qu'il lui semble faillir et reculer. La prieure de la communauté, chargée de la maison, arrive et s'aperçoit de la défaillance de Jean. Quand même un chevalier qui est parti en croisade. Lui défaille. Se conformant alors aux recommandations du pieux seigneur, qui l'avait souvent prié de ne lui épargner ni les conseils ni les remontrances, « Comment, dit-elle, un guerrier si justement renommé pour sa bravoure se laisse vaincre par de l'odeur ? Ah, ce ne sont pas ses plaies, ce sont vos péchés qui sont mauvais. » On est vraiment dans un autre monde. Aussitôt, le baron remercie la religieuse, revient à la charge, aborde en face la difficulté et s'approche de la pauvre infirme. À l'aide d'un linge convenablement disposé, il absorbe au profit de sa mortification l'air vicié, etc. etc., etc. Voici les rapports qu'il avait avec ses proches. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Et donc ça, c'est la mise en œuvre des vertus catholiques. Exactement. Et lui, c'était quelqu'un qui avait ses accès à la cour de France. Donc il a ravisé un petit peu l'orgueil dont il a pu faire preuve à une époque, pour revenir à un niveau du plus infirme des infirmes. Donc vous avez l'explication de la société avec ce premier livre, et vous avez le détail, la mise en pratique de cette théorie avec Jean de Montmirail, et c'est vraiment incroyable. Quelques mots, mon cher Jean-Noël, sur les saintes patronnes de France. Alors oui, ça c'est beaucoup plus récent, puisque ce n'a que quelques semaines, il est sorti il y a quelques semaines. Alors je vais juste très brièvement raconter l'histoire de ce livre. Brièvement, tu as le temps. Que je trouve assez... intrigue intéressante. J'étais en tournage à Reims, très belle ville, au demeurant, et chez une dame qui fait de la reliure de vieux ouvrages. Donc un métier vraiment extraordinaire, avec surtout des techniques et des outils de l'époque. Rien d'électronique, rien de mécanique, enfin tout est mécanique. Et dans sa bibliothèque, il y avait évidemment un grand nombre d'ouvrages anciens qui tombaient en ruine. Il y avait un ouvrage qui s'appelait « Les Saintes Patronnes de France » qui, lui, tombait aussi en ruine. Je commence à le feuilleter. Donc déjà, il y a énormément... Enfin, non, pardon. Il
Il y a quelques belles illustrations de quelques saintes patronnes qu'il y a dans ce livre. Et je vois en introduction que ce livre est tout à fait orthodoxe puisqu'il a reçu l'imprimature. Oui, tout à fait. Nihilobstadt. Oui, tout à fait. Et ce livre a été tiré au début du XXe en 300 exemplaires. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, plus personne ne l'a chez soi. Donc je me suis dit, est-ce que je peux acquérir ce bel ouvrage pour pouvoir le refaire? Et donc c'est comme ça qu'il est. Ah bah c'est formidable. Tu as fait un travail d'exhumation en chargeant. Exactement. Donc comme son nom l'indique, ce livre raconte la biographie de quelques-unes des grandes femmes. Et je trouve ça intéressant aussi de mettre en lumière par rapport à ce que tu disais, que les femmes étaient maltraitées dans l'Église catholique. Pas toi. Non, s'est compris. C'est le conciliaire qui dit ça. Donc là, vous avez une confirmation contraire de ce qui a été dit. Donc vous avez la biographie de Sainte Anne, patronne des Bretons, dont je suis. Donc du coup, c'est une histoire qui m'intéresse grandement. Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, dans le sud de la France, en Provence. Sainte Geneviève, patronne de Paris. Sainte Clotilde, reine de France, l'épouse de Clovis. Homme fondateur avec Saint Rémy, bien évidemment, de la France chrétienne. Sainte Radegonde, ça c'est pareil, c'est une reine de France, Sainte Radegonde, donc qui a épousé, un peu contrainte et forcée, il faut quand même l'admettre, mais elle a accepté. Le petit-fils de Clovis, Saint Clotaire. Le fils ou le petit-fils, Il y a Clotaire 1 et Clotaire 2, donc ça doit être un des deux, j'imagine. Et donc Sainte Radegonde a le mérite on devrait réhabiliter, je pense que j'ai un projet dans ce sens, de réhabiliter cette biographie qui est une sainte incroyable, une reine de France incroyable, à une époque très compliquée. Ah oui, tout à fait. Parce que les Mérovingiens, c'était pas détendre. Et la France chrétienne était en construction. C'est l'une des périodes les plus troublées de l'histoire. Et c'est peut-être pas innocent qu'il y ait à cette époque... De la nôtre, j'entends. Qu'il y ait à cette époque énormément de saints évêques. C'est peut-être aussi pour faire le contrepoids de... Le bon Dieu a pourvu. Exactement. Sainte Odile, patronne de l'Alsace. Sainte Solange, patronne du Berry. Sainte Jeanne d'Arc, qu'on ne présente plus. Sainte Chantal, fondatrice de la Visitation. Sainte Marguerite Marie. Sainte Madeleine Sophie Barra, fondatrice de la Communauté du Sacré-Cœur. Et enfin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une sainte beaucoup plus contemporaine. Et donc, vous allez pouvoir découvrir ces vies incroyables et comprendre aussi, ça s'inscrit un petit peu dans la continuité des précédents ouvrages. Hein, tout à fait. Ah, mais tout à fait. Comprendre que la France et l'Église catholique sont indissociables. La France est née grâce à un évêque, non pas des moindres, Saint Rémy. Et ça, c'est important aussi de bien dissocier notre histoire, bien la comprendre. Et faire cette séparation, cette distinction avec une autre histoire, ce que j'appelle ce cancer sur un corps qu'est la France, ce cancer qu'est la République, qui s'est greffé sur un corps. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez... Mais j'affirme que ces ouvrages sont des ouvrages identitaires, en vérité. Parce que c'est la vraie identité, c'est l'essence de la France. Ces livres nous permettent de comprendre l'essence de la France. Moi, c'est grâce à ce genre d'ouvrage que je suis devenu patriote, que je suis devenu catholique. Et moi, ce qui me rassure, c'est de voir que des plus jeunes se réintéressent à la France catholique, pas forcément à la France, la France de Michelet, pas la France de Michelet, mais la France de celui de la F. Bainville, oui. Qui est une vision assez humaine et pas du tout surnaturelle de l'histoire de France, intéressante au demeurant, hein, puisque oui, c'est tout à fait, très intéressant. Tout à fait. Mais c'est surtout ça, comme tu disais, ça c'est la vraie identité française, mais du coup implique de devoir se plonger aussi dans l'histoire de l'Église. Et vraiment on est en harmonie avec ce qui émane, je dirais, de ces bouquins là moi j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai relu un peu le Brentano, et moi j'adore Brentano, vraiment. On est dans la France que nous aimons, et ce que tu nous as écrit de Jean de Montmirail, c'est la France que nous aimons, la France des vertus catholiques, la France des vertus. En fait, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas d'exemple. Il y a Jules quand même. Il y a Jules, c'est pas faux. Mais à part lui... On n'a pas d'exemple à se mettre sous la dent pour pouvoir être inspiré. Oui, oui, oui. Des hommes valeureux, des hommes vertueux, les deux valeurs cardinales qui selon moi, sont essentielles. Et avec des hommes comme ça, nous sommes obligés de remonter dans le temps pour retrouver des hommes inspirants, qui donnent envie de s'élever, édifiants, comme nous n'avons plus rien. Donc voilà. C'est ce travail que j'essaie de faire, c'est de remettre des hommes édifiants au goût du jour. Donc si vous voulez vous rapprocher de l'identité française, chers amis, si vous voulez vous en imbiber toujours davantage, eh bien intéressez-vous vraiment à ces bouquins-là qui sont d'utilité publique, je le dis.
Est-ce que tu es prêt pour quelques questions éventuelles, mon cher Jean-Noël ? Bien, oui. Pierre-Thiermont, y a-t-il des questions ? Pas de questions intelligibles, vraiment. Attends, je reviens à ce qu'il y a. Mais déjà, parce que le chat est particulièrement faible. Parce qu'il y a des questions inintelligibles. Ah, ça arrive. Là, il y en a pas qu'elle. Déjà, merci à Julien Comtes pour son don et à Idée de Lecture pour son don. Christophe Bézadache nous salue, qui est dans le chat. Ah oui, alors je précise, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, oui. Christophe fait une campagne Ulule pour le financement d'un de ses albums. Donc, il a atteint le seuil. Mais il peut, enfin, Ulule permet qu'on le soutienne encore financièrement, donc si vous pouvez, ma foi, il n'y a pas de limite, n'hésitez quoi. Pas. Exactement. Il y a des questions des gens qui réagissent au début de l'émission, qui disent, Robin Pierron dit, en parlant de la Béraffray, que pensez-vous de l'annonce de Papacito, de sa préparation au baptême avec la Béraffray, comment éviter à l'avenir des départs ? Je comprends que pourquoi Papacito, pour des raisons d'ordre matériel, va voir la Béraffray, mais le conseil que je donne à mon cher ami de Papacito, c'est de ne pas s'attarder avec cette secte. Et de revenir, enfin, d'aller au bon port catholique, si je puis dire. Voilà. Et je salue Papacito, puisque Papacito, c'est une des rares personnes qui m'a tendu la main, je dirais, sans rien attendre en retour, et sans rien avoir à y gagner. Donc j'en profite pour lui renouveler mon amitié. Monsieur G demande si tu comptes faire un ouvrage sur Bertrand du Guesclin. Alors il y en a un qui est disponible, il ne croit pas si bien dire. Sur le site de la maison d'édition, mais je suis convaincu qu'il y a les liens en description. Ouais. Pareil, comme c'est un personnage incontournable. C'est comme Bayard, j'ai sorti un bouquin sur Bayard, ces hommes-là, ils sortent de l'ordinaire. Ce sont des François, tout simplement. C'était ça des Français. Bah ouais. Alors, Lapin Blanc demande si tu vas accepter l'invitation de la chaîne radio Loudi. J'ai pas reçu d'invitation, donc. Ou alors, ça m'est passé à travers... La chaîne, comment tu l'as appelé ? Comme un loup, l'animal, D-I. Mais j'ai pas reçu. Et je reçois pas beaucoup d'invitations de chaînes YouTube. Elles sont en spam, peut-être. C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi, mais je reçois très peu. A priori, peut-être qu'ils ont évoqué ça en direct et t'as pas reçu l'invitation. Ah, c'est possible. Ça doit être ça. Une question de Toton Laton. Est-ce que la Révolution française a renforcé l'Église en mettant fin au gallicanisme? Ah bon, c'est connu. La Révolution française a énormément renforcé l'Église. Elle a aidé énormément. Ça, c'est très très connu. La Troisième République aussi. C'est très connu, oui, bien sûr. J'ose croire que c'est une question ironique, non? En mettant fin au gallicanisme, ils se demandent s'il pourrait pas y avoir un effet... Ah mais attention, la Révolution française n'a pas du tout mis fin au gallicanisme. Parmi les réseaux qui ont fait la Révolution française, que retrouve-t-on? Et ça, c'est Crétino Joly qui en parle très bien. On retrouve les réseaux gallicans et les réseaux jansénistes. La constitution civile du clergé est une création janséniste. J'en parle dans Apologie de la papauté que vous voyez derrière. Et le point commun des gallicans et des jansénistes, c'est que tous deux voulaient s'affranchir de l'autorité de Rome. Les gallicans, parce que c'est dans leur essence, gallicanisme qui a été ressuscité par la fraternité Saint-Pédis, et les jansénistes parce qu'ils avaient été condamnés par Rome. Donc tous deux voulaient s'affranchir de l'autorité romaine. Et pourquoi les jansénistes ont fait la constitution civile du clergé ? Parce qu'ils voulaient rompre les liens avec l'autorité romaine. Et ça commence dès Philippe le Bel. Hein. Donc voilà. Donc le ver est dans le fruit, mais il est monté lentement. Ça remonte. Hein. Et la Révolution française est la consécration du gallicanisme, chers amis, et du jansénisme. Ces réseaux dont on ne parle jamais, qui pourtant ont été des réseaux maléfiques, qui ont été au service de la Révolution... La Révolution française, c'est le triomphe du gallicanisme. Vous êtes mal renseigné. Alors, avec le Concordat, on est revenu un peu là-dessus. Parce que Napoléon avait compris que si on faisait trop de surchauffe, la machine allait exploser. Donc il a fait quelques pas en arrière. Mais gallicanisme et jansénisme ont triomphé à la Révolution. Et les chevilles ouvrières de la Révolution française, parmi les plus grandes chevilles ouvrières de la Révolution française, on trouve des jansénistes et des gallicans. Creusez les dossiers, cher ami, je crois que vous êtes mal renseigné. Voilà. Il y avait une question qui m'échappe. Elle était où ? Oui, Larizo demande si vous pouvez nous parler du duc de Guise, Henri le Balafré. Alors, précisément, non. C'est celui qui s'est fait tuer par Henri III, non ? C'est ça ? Ou je confonds ? Oui, non, c'était cette époque-là, oui. Non, précisément, franchement, je ne connais pas le dossier. Je n'ai pas beaucoup creusé le dossier. Mais un jour, peut-être que notre ami Jean-Noël...
s'éloignera un peu du XIIIe siècle et qui fera des livres sur les guerres de religion, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'il faut se concentrer sur une période, autrement c'est compliqué. Oh, la vie est longue, hein, après, hein, la vie est longue. Déjà que c'est un travail fastidieux. Mais ceci étant dit, nous tendons la main à toutes les personnes qui veulent travailler, parce que c'est pas toujours à nous de faire le boulot quand même. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire à cette époque-là. Hein. Voilà, donc nous sommes vraiment... à la recherche d'un maximum de talents, donc chers amis, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à travailler. Ou alors consulter une vidéo que j'ai tournée sur le sujet, très bref, hein, sur les Guises, sur Gallia, notre histoire de France. D'ailleurs, on fait la promotion de la chaîne de Jean-Noël, et j'ai oublié de faire la promotion de la chaîne d'Alain Pascal aussi, excusez-moi. Sinon, pas de questions particulières, notables. Alors, je voulais rajouter un mot, chers amis, concernant les événements à venir. Le système repose sur plusieurs éléments stabilisateurs. Les institutions de la Ve République qui ont offert pendant des décennies la stabilité politique, la planche à billets qui offre la stabilité, je dirais, budgétaire, qui permet de financer les budgets, la stabilité, je dirais, médiatique, avec la propagande qui véhicule l'idéologie dominante. Et on pourrait dire aussi la stabilité, entre guillemets, spirituelle avec la secte conciliaire, qui vise à neutraliser les seules forces possibles d'opposition à la Révolution que sont les catholiques. Bon. Or, Macron a perdu la majorité dans les institutions. Donc là, alors à moins qu'il s'allie avec les Républicains, il n'a plus ce facteur de stabilité. La BCE a fait savoir qu'elle mettait un terme au quantitative easing. Elle met un terme à la planche à billets, en partir du mois de juillet. Donc, on n'a plus les marges de manœuvre budgétaires que l'on avait autrefois pour tenir la société. La propagande, bien sûr, continue, mais la propagande doit faire avec la nouvelle opinion publique, quand même, qui donne un autre son de cloche aux Français. Elle doit faire avec une partie des médias dits mainstream, comme Sud Radio, comme CNews, etc., qui ont un autre discours dominant que celui des autres grands médias. Et surtout, la propagande doit faire avec un réel qu'il est de plus en plus difficile de camoufler. Exemple, le Stade de France. On voit que le système a, dans un premier temps, essayé d'étouffer l'affaire. Ils n'ont pas réussi, notamment à cause des journalistes anglais et espagnols qui, eux, voulaient connaître la vérité. Donc, élément stabilisateur en moins. La secte conciliaire, elle, est toujours là. Elle n'est pas déstabilisée autant que les autres éléments. Mais on est là, nous, pour défendre la foi. Alors certes, nous sommes insignifiants numériquement, mais on est là pour avoir un témoignage public de la foi. Je crois que c'est ce que le bon Dieu demande à tout catholique, hein, de vous à moi. Son Excellence Vigano est là, et peut-être que Son Excellence Vigano va envoyer quelques missiles. On me lit dans l'oreillette qu'il va peut-être envoyer quelques missiles bientôt. Voilà. Donc là, on voit que les éléments stabilisateurs sautent tous quasiment un par un, et il y a un élément déstabilisateur qui lui arrive, qui est l'inflation. Ah, ça va être... L'inflation qui peut rendre les Français fous. Parce qu'on peut supporter l'invasion, on peut supporter les humiliations répétées de Macron, la soumission à l'atlantisme, etc., etc. Mais ça, plus l'inflation, ça va commencer à faire beaucoup, je crois, pour un certain nombre de Français. Où allons-nous à l'avenir, chers amis ? Je ne sais pas. Nous verrons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour y voir clair, il faut la bonne boussole. La bonne boussole, ce sont les bons principes. C'est le magistère de l'Église, tout simplement. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet, ou éventuellement ? Non, pas forcément, pas sur ce sujet. Pierre de Tirmont, est-ce qu'il y a des questions potentiellement intelligentes ? Alors, je sais que ce mot est parfois malvenu sur le chat, mais je tente le coup, hein, on ne sait jamais. Il y a des exceptions, attention, hein, il y a des exceptions. Non. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là alors. Je veux préciser qu'il y a Alain Pascal qui sera en conférence à Rennes début juillet. On salue Alain d'ailleurs, Donc je vous invite à vous renseigner sur le site Catholique de France pour toutes les conférences. Alors ça sera la dernière. Attends, on fait de la pub pour Catholique de France. Oui. J'ai oublié dans les sites amis. Excuse-moi. Il y a trop de sites, c'est encourageant d'ailleurs. Il y a trop, moi je trouve qu'il n'a pas assez, moi, tu vois. Non, mais faut toutes les citer, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est la dernière conférence de la saison. Donc on vous attend nombreux, et bien sûr samedi à la librairie française. Et puis avis aux Bretons qui sont dans le coin quand même, allez à la bonne messe, allez à la messe de l'abbé Roger à Rennes dans la chapelle Saint-Pie-V. Hein. Il y a des gens bien en plus là-bas, je crois, Jean-Noël, à la chapelle Saint-Pie-V. Il y a un certain nombre de gens très très bien. Il y a des éditeurs aussi, je crois. Ouais, voilà, donc
Non, mais c'est, on a de la chance. La Bretagne est la région d'ailleurs qui est la mieux, qui a le plus de centres de messe. Oui, bah oui. Ouais. Donc voilà, donc si vous êtes du côté de Rennes, chers amis qui nous écoutez, et si vous n'y êtes pas encore allé, allez à la messe de l'abbé Roger à Rennes, voilà, tout simplement. T'as quelques mots à ajouter ? Non. Alors je rappelle quand même, chers amis, que Jean-Noël donc, dédicace son ouvrage, ses ouvrages à la librairie française samedi. Ce samedi à partir de 14h30. Voilà. Donc soyez nombreux pour soutenir notre camarade Jean-Noël. Et voilà, bah Jean-Noël, j'espère que tu reviendras nous parler des Qatars. Avec grand plaisir. Je pense que ça serait une très belle émission que nous pourrons faire. Une émission intensément française. Ouais. Et catholique. Mais c'est très difficile de dissondre les deux, comme des ouvrages. C'est un sujet conséquent. Nous le démontrent. Voilà. Pierre Thiermont, je vous remercie de votre assistance Merci technique. Beaucoup. Et puis, chers amis, bah, écoutez, on se dit à très bientôt. Voilà. À bientôt. En union de prière.